C'est ça le but. Tiens, un autre qui est pas sympa, regarde, il y a Gaspo qui est là. Rappelle-toi qu'il nous doit 10 clés à tous les deux là. Ah oui, non, bon. Bon. Allez, on va regarder ce match entre les Rasmé Party 5 en tête, quasiment en tête de cette division, et les Venture 6ème. C'est parti, Boya. Et c'est donc Tibi, hein, le 3ème. C'est les anciens Red World. Red World qui est devenu AS Monaco eSport. Et donc Tibi, qu'on retrouve là. Au côté du capitaine Rasmelter. Oh, je me demande si c'est pas Gaspo le capitaine. Je crois que c'est Gaspo le capitaine. Et le voici, Gaspo avec la possession du ballon. Et Gaspo qui va porter cette balle avec sa belle octane rose là. Il va tenter quelque chose, mais il a été bien contré par Sean. Rasmelter s'était bien suivi, mais c'est bien récupéré par la défense. Tibi pour la frappe, la cage est vide. Très bien vu de la part de Tibi. Bonne entrée en matière là, 30 secondes de jeu, déjà un but. Alors que s'est-il passé exactement? Ah, Makoibi qui sort sur ce ballon. Il est dans le chat. Vas-y, petit highlight direct dans le chat pour Gaspo. Ça lui fait plaisir. 25 secondes de jeu. Très très rapide en tout cas. Là, l'Erasme Party 5 pour aller mettre de la pression sur ce but de Venture. La défense de Rasmelter, côté droit. La pression de Sean. Derrière, il y a Tibi. Attention, il va être contesté par Makoebi. Mais le contre est favorable pour Tibi. Et Velocity qui va se diriger vers ce ballon. Mais c'est finalement Gaspo qui est le premier sur ce ballon. Chaud pour le dégagement, c'est bien contré par Rasmelter, mais bon dégagement là de la part de Venture, ça combine très bien pour frapper directement, mais Tibi était bien rencontré. Sean la passe sur le backboard pour Velocity qui va pouvoir frapper, l'égalisation est faite pour Venture. Très bon centre en tout cas de la part de Sean. Ouais, très bon centre et c'est bien suivi également par l'attaquant. Ouais, très très fort, ça éloigne ce ballon de Tibi qui doit sortir, il doit prendre ses petites affaires pour arriver jusqu'au ballon. C'est compliqué. En sachant que l'attaquant lui arrive lancé. C'est bien joué, une belle égalisation du côté de Venture. Gaspo, il va aller chercher le boost et laisser Rasmelter jouer ce ballon. Oh, la deuxième touche là de Velocity qui surprend Gaspo. Les Tibi qui montent sur les nœuds pour récupérer cette balle. Mais Velocity remporte le compte. Rasmelter le long dégagement depuis le mur, c'est bien vu. Ça pour Gaspo qui la remet vers Tibi. Bon, attention, il y a quelque chose à tenter. Oh. Le fait qui passe et peut-être le centre. Ça, est-ce que ça va être récupéré ou ça va être, c'était un petit peu fort. Mais Gaspo est là pour continuer de mettre la pression sur ce but. Makoebi pour le dégagement, il va pouvoir lancer quelque chose, il passe à côté de sa balle, ça va être pour Tibi. Finalement, Tibi avec Rasmelter qui attend dans l'axe pour s'envoler sur cette balle, mais Velocity était plus prompt sur ce ballon. Gaspo qui pousse, un redirect peut-être, oui Tibi il est là, ce ne sera pas cadré. Oh, Gaspo qui avait suivi, ça aurait fait 1-2, qui n'a pas terminé au fond, malheureusement pour les Rasmé Party 5. La défense de Tibi, c'est au Venture d'attaquer là avec Makoebi pardon, au premier poteau. Gaspo qui repousse, Sean. Je ne sais pas trop comment jouer ce ballon. Belle passe dans l'axe pour Rasmelter. Il va y avoir le retour défensif de Makoebi. Attention, Tibi qui continue de mettre la pression. Le centre peut-être pour Gaspo. Ça va être emporté par Sean. Mais Gaspo là pour reprendre cette balle tout de même. Gaspo peut-être. Ça va être pour Velocity qui va pouvoir se relancer. Rasmelter pour mettre la pression. Mais il passe à côté de son ballon. Tibi qui touche. Ou oh, attention, c'est un contre 3. Là quasiment Gaspo tout seul dans la défense. Oh, il a réussi à faire quelque chose. Mais attention, c'est toujours pas terminé. Ça peut être encore un petit peu dangereux ce ballon qui traîne. Gaspo. Est-ce que Velocity va pouvoir la reprendre? Non, il préfère la laisser à son coéquipier derrière la chaune. Ou attention, le compte qui part en direction du but et Velocity la remet sur le côté pour temporiser. Ça devrait revenir avec Rasmelter. Oh, c'est cadré, Sean à la parade. Bonne réaction là de la part du troisième homme défensif côté Venture. Sean qui est contré cette fois-ci par Tibi. Attention, ça va retomber juste devant le but. On va bien s'en sortir. C'est Velocity qui a pu dégager ce ballon. Mais la pression là d'Erasme Party 5 avec Tibi. Ils sont en train d'essayer de marteler. Mais là, le ballon qui est... Oh là là, personne ne va sur ce ballon. Finalement, Gaspo avec un petit peu de temps de latence, j'ai l'impression. Tibi pour le centre, ça va être pour Gaspo. La frappe de Gaspo arrêtée par Velocity. Il y avait quelque chose à tenter là. Velocity, ça remet dans l'axe très dangereusement. Rasmelter qui en profite très bien pour enfoncer ce ballon dans la lucarne. Et reprendre l'avantage du côté des... Non, pas de la AS Monaco, du coup, du côté des Rasmé Party 5. Ouais, après des dizaines et des dizaines de secondes là, de pression sur le but de reste, sur le but de Venture, pardon. On devait être vraiment en cours de boost, vraiment en difficulté, dépassé par les événements. Et ce but est venu concrétiser logiquement cette phase de domination. 2-1, et attention, Venture, ils peuvent être dangereux. La Velocity qui force Gaspo à l'erreur, le petit bump pour récupérer le ballon. Attention, Tibi. Placé très haut, ça va profiter à Rasmelter juste derrière. Rasmelter peut-être, Tibi dans les airs, il va être au-dessus de Velocity. Oh, il la rabat bien, mais c'est dégagé par Makoebi. Et Rasmelter en défense là, il est face à Makoebi. Est-ce qu'il va pouvoir passer la joueur de l'AS Monaco? Oui, c'est bien vu avec le pinch, il va partir en direction du coup adverse. Rasmelter pour continuer de mettre la pression de lui-même. Oui, il a été battu finalement par Velocity, mais Tibi va pouvoir prendre cette balle et la remet sur le côté pour Gaspo. C'est bien vu ça, Gaspo qui s'envole sur ce ballon. Mais Makoebi est là pour l'interception.
Tibi encore, est-ce qu'il va pouvoir reprendre cette balle? Il arrive à passer à Smeltor, Tibi qui s'envole sur ce ballon, il la remet vers un Smeltor, c'est contré par Sean encore. Et Tibi est là pour reprendre ce ballon, attention Velo City, il la retouche, ça va être pour Gaspo. Gaspo qui cherche une passe dans l'axe, qui a été anticipé par Makuebi. Velo City juste derrière, pour l'instant au milieu du terrain. Ouais, les Ventures qui vont pouvoir récupérer cette fois-ci avec Sean qui choisit de frapper directement. Ce n'était pas inquiétant là pour Asmeltor. Velo City, oh, Tibi en difficulté. Velo City va aller chipper le boost. Et du coup, Tibi a eu le temps de dégager ce ballon. Ça revient néanmoins le premier poteau. Oh, c'est un petit peu la panique, mais Asmeltor qui va dégager. Velo City qui touche ce ballon pour la remettre vers Sean. Sean va pouvoir la reprendre, c'est bien vu ça. La main dans l'axe, non, ça va être pour Gaspo finalement qui va pouvoir se dégager, suivre ce ballon. Il a réussi à où il a bien remporté son compte sur Velo City. Makuebi peut-être, il arrive à passer, mais Rasmeltor s'envole sur cette balle. Tibi qui fait demi-tour un petit peu là, c'est la surprise Rasmeltor, je pense qu'il est parti pour back. Velo City, la bonne touche de balle, ça va être pour Makuebi peut-être. Ou attention, il y a le raté de Gaspo là qui a fait un petit peu de mal à cette équipe des Rasmé Party 5, ils étaient tous un petit peu surpris. Tibi la remet dans l'axe pour Rasmeltor, ça va être un bon dégagement. À la retombée. Oh, il y a trois joueurs de Rasmé Party 5 avec le petit ballon lobé de Rasmeltor. Velo City ne s'était pas jeté. Sean qui dégage, Makuebi qui essaie de prolonger. Sean encore une fois, c'est bien joué, on a pu se mettre en position avec Velo City, le ballon est lobé, oh il va taper le sol juste avant qu'il ne puisse rentrer. Malheureusement, il y avait quelqu'un pour la pousser au fond, mais c'est trop tard pour Venture qui laisse filer cette première game. Ouais, un petit raté de Tibi là qui fait la différence, mais enfin qui aurait pu faire la différence, mais il s'en sort sans... C'est sans conséquence finalement ce ballon qu'il a laissé filer. Et les Rasmé Party 5 qui est fort d'une meilleure pression, ils ont été un petit peu plus, ils ont eu une plus forte domination territoriale, j'ai l'impression, ouais, sur cette game. Et c'est ce qui fait qu'ils ont été marqués les deux buts, mais attention, la game reste quand même très serrée. Ouais, ouais, il y a quand même des opportunités pour les Ventures, ils ne sont pas du tout dépassés par les événements, à part sur la phase du deuxième but, mais qui résulte vraiment d'une longue période de pression. Mais grosso modo, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à construire. Non, ils sont loin d'avoir perdu cette série. Et Tibi pour le dégagement, c'est bien récupéré par Sean. Mais Rasmeltor a très bien suivi pour suivre Tibi. Attention, double commit. C'est Gaspo finalement qui va prendre cette balle. Oh, la bonne touche de Gaspo, ça peut mettre la défense en difficulté. Mais Sean a pu la récupérer au premier poteau. Rasmeltor pour la passe, ça va être pour Sean sur le backboard qui va pouvoir se dégager. Gaspo à la récupère sur la remet sur le côté droit. C'est un petit feu fort peut-être pour Rasmeltor qui peut que la remettre sur le backboard. Et Velox City va écarter le danger temporairement. Oh, attention, dans la surface, Sean la demi-volée. C'est bien joué pour trouver Makuebi qui renverse le jeu de l'autre côté. Malheureusement, on était sur la caméra de Velo City, il n'y avait personne côté Venture pour être à la réception. Tibi avec un petit peu d'espace, le pinch peut-être. Il est en retrait pour Gaspo, ça a été bien lu par Velo City qui va aller chercher le duel. Sean encore, le centre, Rasmeltor a décollé. Oh, il a été contré par Makuebi, c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire là. Petit à petit, les Ventures, on ne parvient toujours à intervenir. Mais à force d'insister, ça va finir par passer. Là peut-être, Sean, c'est bien joué. Rasmeltor en difficulté, non, ça va, il va s'en sortir pour essayer de sortir. De dégager ce ballon. Oui, il arrive à s'en sortir après cette longue phase de domination de la part des Venture qui ont réussi à garder stérile là les défenseurs de Rasmé Party 5. Sean va pouvoir se dégager. Est-ce que Gaspo va aller sur cette balle? Oui, c'est bien vu de la part de Gaspo. Est-ce que ça va être récupéré par quelqu'un dans l'axe? Non, finalement, on a laissé ce ballon. Sean, la passe, la frappe qui va partir directement sur le ballboard. C'est bien récupéré par Rasmeltor le long dégagement. Tibi, peut-être, il est face à Sean. Tibi pour reprendre cette balle, ça va partir en direction du backboard. Peut-être un double tap, mais Sean était là pour empêcher ça. Gaspo qui remet dans l'axe pour Rasmeltor qui a bien suivi. Oh, il s'est fait faucher en plein air là, Rasmeltor, alors qu'il allait sans doute tenter la double tap. Ouh, Tibi qui rate le contact. Makuebi avec peu de boost qui essaie de servir Sean. C'est bien fait, on a pu éliminer un défenseur. Il ne reste plus que Rasmeltor derrière. Il a bien lu la situation pour aller ensuite dégager. Ça peut revenir avec Velo City. En tout cas, toujours 0-0 après 2 minutes de jeu. C'est serré dans cette game 2. Long dégagement de Rasmeltor, Tibi qui tente de la ratoucher mais qui passe à côté. Sean, le long dégagement, ça part en direction de Velo City qui n'a pas de boost pour reprendre cette balle. Gaspo, le bon contrôle, est-ce qu'il va pouvoir se dégager en deux temps? Non, c'est bien contré par Makuebi. Rasmeltor pour le dégagement, Sean pour la remettre dans l'axe. Pour Makuebi, peut-être, c'est Velo City qui l'a touché. Gaspo était là pour la parade. Attention, il va falloir se sortir un petit peu cette situation un petit peu difficile du côté des Rasmé Party 5. Makuebi qui continue de mettre la pression. Il pourra remettre sur le côté, mais attention, c'est pas terminé. Il y a toujours quelque chose à faire. Un Tibi qui arrive finalement à s'en sortir. Il a peut-être quelque chose à faire là. Un peu bien la récupération. Ça va être pour Asmeltor qui va pouvoir frapper. Bon arrêt de Velo City sur sa ligne. Et on a vu, il y avait Tibi là qui essayait en petite fouine là de gêner la défense. Ouh, ça a failli trouver Asmeltor là. En tout cas, ça traîne devant le but des Ventures.
Veloxity, la pinche se balance, c'était bien fait. Il va essayer de poursuivre, peut-être, face à Gaspo. Mais l'ancien joueur de Manticore qui a pu écarter sur le côté. Makoebi, ça va être pour Sean. Attention, le recul de Gaspo. Zéro debout, c'est compliqué, c'est le but pour Sean. Et oui, j'ai l'impression qu'on a été un petit peu passif là du côté d'Erasme Party. Ça a bien profité à Sean en tout cas. Qui a juste attendu que ce... Ah oui, Gaspo est un petit peu en difficulté sur son mur, effectivement. Et Rasmeltor qui est un petit peu juste pour l'arrêt. En tout cas, cette balle bien frappée au niveau du second poteau, ça permet à Venture, après tout ce temps à dominer dans le camp adverse, d'aller enfin ouvrir le score. Attention, Tibi, l'engagement était bien négocié. Makoebi va venir couper là la progression du joueur de Rasme Party 5. Veloxity, le centre ne donnera rien. C'est dégagé loin devant en demi-volée par Rasmeltor. Oh, attention sur le deuxième ballon. Rasmeltor qui a poursuivi. Et l'agressivité là. On a été un petit peu passif autour de la défense là, de Venture. Effectivement, Shaud qui était un petit peu en difficulté là et qui attendait un peu la sortie de Makoebi, qui s'est un petit peu fait tarder. Je sais pas s'il était loin ou pas, ou s'il a vraiment juste tardé à partir sur le ballon. Mais en tout cas, Rasmeltor, on a très bien profité pour aller mettre ce but et montrer que Rasme Party 5 n'a pas besoin de beaucoup dominer pour marquer. Attention, ce ballon qui va revenir dans l'axe, la position de contre de Tibi, c'est bien joué. On va devoir repartir Makoebi. Je crois que Rasmeltor est passé, non, pas du tout, bonne réaction. Ah. Du capitaine d'AS Monaco eSport, je crois, si j'ai bien suivi. C'était pas facile, Rasmeltor la frappe au premier poteau là, paré par Veloxity et Makoebi ensuite sur Gaspo. Venture qui tient, qui va même se projeter en contre, bonne intervention digue de Tibi. Et Makoebi là qui contrôle dans un premier temps, Gaspo c'est bien vu là pour récupérer cette balle. Gaspo qui va essayer de le suivre, il est un petit peu court en boost là, mais Veloxity a pu récupérer cette balle. Attention, ce ballon au milieu de terrain, Makoebi qui va pouvoir le remettre en direct sur du backboard, si bien touché par Rasmeltor pour la remettre sur le côté. Tibi, on va pouvoir toucher ce ballon, Tibi face à Shaud, ça va rester un petit peu coincé là. Rasmeltor pour le dégagement, Veloxity pour la remettre dans l'axe, mais Makoebi un petit peu qui s'est envolé sur cette balle, il était un petit peu court pour la récupérer finalement. Gaspo, on essaie de s'en sortir, c'est un petit peu brouillon là pour le moment au milieu de terrain, ça va être pour Tibi. Et le contrôle, il s'emmène ce ballon. En hauteur, pas de ceiling pass à venir. Oh, attention, la récupération ouais, de Makoebi. Il n'y avait plus personne dans le but, heureusement pour les Rasme Party 5 qui n'étaient pas cadrés. Et là, à 30 secondes de la fin, personne n'arrive à faire la décision. Rasmeltor, le contre est favorable face à deux joueurs de Venture. Gaspo qui va essayer d'accélérer le jeu, la démolition. Veloxity, il ne faut pas se rater là-dessus. Ça va permettre de gagner du temps précieux là pour se remettre en place défensivement. Rasmeltor, le ballon contre le backboard. Gaspo est là, il n'arrivera pas à frapper ce ballon. Attention, Tibi. La destruction, c'est Rasmeltor du coup qui a été chargé, d'aller temporiser une dernière opportunité pour Gaspo. Ouh, il l'avait, il n'a pas pu la mettre, Dig. Ah oui, Gaspo, faut que tu apprennes à toucher les ballons aussi. Non, je plaisante bien sûr. On est reparti avec cet overtime là qui se promet assez passionnant. Là, ça va être très serré. Tibi la frappe direct. Est-ce que Veloxity va pouvoir la sortir? C'est bien suivi par Makoebi là. C'était osé, mais plutôt bien. Ouais, c'était vraiment pas loin là. Sur ce long clear, ils ont bien fait. Veloxity et Makoebi, ils s'en sont bien sortis. Et attention, Sean qui essaie de contrôler. Ça a été contré, ça revient dans l'axe. Mais Tibi, plus agressif que Veloxity. Il n'avait pas le choix, il fallait qu'il attende un petit peu l'attaquant. S'il voulait cadrer ce ballon. Sean, pour Makoebi, non, pas de demi-tour de sa part. Le ballon est rendu, récupéré par Rasmeltor qui cherchait Tibi. Pas de relais trouvé entre les deux. Gaspo, cette fois-ci, la demi-volée. On est en défense des deux côtés là. Et attention, là ça tergiverse. Oh, Rasmeltor qui a été battu. Gaspo qui va pouvoir reprendre cette balle. Ça part en direction de Rasmeltor. Non, Gaspo qui la retouche. Oh. Oh, Gaspo qui est parti tout seul sur cette balle là. Super bien joué là par l'ancien joueur de Manticore sur cette action. Allez. C'est une double tap, oh, mais avec le plafond beau. Cette fois-ci. Superbe but en tout cas de la part de Gaspo qui vient faire la différence et offrir les 3 balles de match. Ouais, ça pour le coup c'est highlight direct sans aucun doute. Gaspo, celui-ci tu peux en être fier, il est très joli et on le retrouvera sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. Aujourd'hui c'est les highlights de la semaine 6 qui sont sortis et la semaine prochaine les highlights de la semaine 7 bien sûr, c'est logique. En tout cas, les Rasme Party 5, plus réaliste, encore une fois, ils l'emportent sur le score de 2-1. C'est très serré et c'est dur pour les Venture. Ils sont pas mal, ils sont pas loin à chaque fois. Oui, parce qu'ils ont quand même beaucoup dominé là, sur cette deuxième game. Ils auraient mérité de faire la différence, mais face à cette défense qui a très très bien tenu du côté des Rasme Party 5, là, il faut non seulement dominer, mais en plus être assez créatif, prendre un petit peu plus de risques, être un petit peu plus rapide pour essayer d'aller marquer tout simplement.
Et bah, ça, ce qui a fait la différence, c'est un petit peu plus de réalisme du côté d'Erasme Party. Mais attention, ce n'est toujours pas terminé, on en est à 2-0, certes, mais Venture pourrait très bien réagir. Gaspo pour Asmeltor. Ça va être intercepté par Sean, là, qui avait bien lu la transmission. Il vient shipper le boost, la petite touche, elle est parfaite pour s'entrer en retrait. Mais quelle réactivité de la part de Tibi. Et attention, Gaspo qui n'aura pas le contre favorable sur Makuebi. C'est renvoyé Makuebi, le contrôle de balle. Oh, attention, Sean, il va être battu. Asmeltor, heureusement, il n'a pas de boost, mais Gaspo est sur ce ballon le premier. Oh là, il s'est un petit peu précipité. Néanmoins, le centre de Rasmeltor pour Tibi, faut pas se rater. La reprise est belle là. Oh, Rasmeltor qui a essayé de venir pousser le ballon Tibi, une nouvelle chance. Le passage en force, peut-être sa défense sévère là du côté de Venture. Oui, il a tenté de passer en force, mais il s'est fait stopper par toute la défense là. Alors que Gaspo va pouvoir centrer, c'est bien récupéré par Sean. Attention, il y a danger là. Ouh, le ballon qui va partir loin là avec Sean peut-être pour la reprendre. C'est bien récupéré par Tibi, mais il est suivi par Makuebi. Makuebi ou vers Velocity qui est passé un petit peu à côté de son ballon. Attention, c'est très dangereux là. KG vite pour Makuebi. Oh. Gaspo qui vient sauver son équipe sur la ligne. Il y avait le feu là sur la KG. Oui, c'était vraiment pas loin là. L'ouverture du score des Venture. Attention, Rasmeltor. La passe pour Tibi. Peut-être il la lève pour Gaspo. Le jeu en triangle, c'est pas mal fait, mais Gaspo ne pourra pas cadrer. Ça a été défendu. Et là, heureusement que Sean ne trouve pas le cadre. Car Rasmeltor avec ses 11 de boost, je sais pas s'il aurait pu sauver ce ballon. Au second poteau. Ce match qui est très vivant, très intense, ça va d'un côté comme de l'autre. Et là, Gaspo en retrait pour Tibi, c'est bien joué. J'ai l'impression que ça a gagné un petit peu en intensité là, ouais, par rapport au game d'avant. Et Tibi là pour tenter quelque chose de sling shot, mais ça trouvera malheureusement pas le cadre. Ça va être pour Sean. Sean qui l'a remis dans l'axe, ça va être pour Makuebi. Dans le duel entre Makuebi et Rasmeltor, c'est remporté par le joueur de l'AS Monaco. Rasmeltor peut-être, oui, ça va tomber pour Gaspo qui va pouvoir frapper ou le petit backflip de la part de Sean, et Makuebi était là au deuxième poteau pour la récupérer. Et heureusement, sinon il s'en serait voulu. Attention, le raté, ça va être le but de Gaspo. Que s'est-il passé cette fois-ci sur ce gros ballon lobé de Tibi? Déjà, il y a deux joueurs qui ont commit. Ensuite, un petit peu de précipitation du côté du dernier joueur. Ouais. Et Gaspo qui reprend parfaitement cette balle là. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là, il est venu sauver son équipe là. Et Tibi va pouvoir reprendre ce kick-off là. Ça fait 1-0 pour les Rasmus Party Falcons qui ont pris l'avantage en cette game. Rasmeltor qui va frapper. Attention, heureusement c'était Véchaud qui était derrière. Oh, la remission du côté pour temporiser un petit peu l'envolée de Gaspo et Tibi. Attention, double commit, il n'y a plus personne dans la cage là. Il faut défendre alors que ça profite du côté des Venture. Et Rasmeltor va pouvoir récupérer ça. Ouais, dommage qu'il n'ait plus la rabatte. Ça s'est bien joué de la part de Sean. De Rasmeltor, pardon, pour trouver Gaspo. Ça a été récupéré, la bonne passe en entrée de Velocity. Sean qui s'emmène le ballon en deux temps à l'aide du wall. C'est touché, décollage de Makuebi, il est au-dessus de la mêlée. Mais non, c'est finalement Tibi qui va toucher ce ballon important à 2 minutes de la fin. On va repartir du côté de Venture avec Velocity. Encore une fois, à l'aide du wall, on se sert intelligemment là des parois de ce Manfield Knight pour progresser. Attention à Smelter, le centre, oh, Tibi va toucher. Il était là, Sean, à la défense. Velocity là pour tenter de repartir, il va envoyer cette balle assez loin. Il reste un petit peu moins de 2 minutes à jouer, là il faut réagir pour aller chercher cette égalisation alors qu'il y a une démolition derrière. Oh, le petit raté de la part de Rasmeltor là qui aurait pu reprendre plus promptement ce ballon. Après ce dégagement de Gaspo, la bonne reprise de Sean et Rasmeltor qui s'est un petit peu raté là quand ouais, même. Il ne s'y attendait pas, on l'a vu légèrement avancer puis faire demi-tour après la touche de balle de Gaspo. Manque de communication là du côté des Rasmus Party 5. Et le score de parité à nouveau. Velocity peut-être une deuxième touche. Oh, ça manque de puissance. Rasmeltor ne s'était pas jeté. On est venu shipper le boost néanmoins des Rasmus Party 5. Attention, la différence qui a été faite, mais Gaspo va repousser le danger. Gaspo, encore une fois, pour tenter de se relancer, ça déborde côté droit. Là, elle est face à Makuebi. Makuebi qui a été passé. Attention, Velocity qui est en train de redescendre. Oh, Gaspo qui a bien temporisé là. Il a tenté de danser devant son ballon comme les Brésiliens. Et c'est Leventure qui repart à l'attaque avec cette superbe combinaison entre Makuebi et Velocity. Mais c'est bien récupéré par la défense des Rasmus Party 5. Oh, la vigilance de Tibi derrière. Il a fait. C'était indispensable pour la défense des Rasmus Party 5. Tibi encore une fois, cette fois-ci il s'est raté. Et Velocity va contrôler. Il pousse. Sean directement sur Tibi. Makuebi à partir de son backboard, 50 secondes restantes. Ils ont un petit peu de mal à accélérer le jeu là, à sortir de leur camp. Ça revient avec Rasmeltor. Sean devrait intervenir. C'est directement sur Tibi qui a bien anticipé. Oh, ce ballon croisé. Et c'est détourné par Makuebi. C'est bien détourné, mais attention, il y a toujours danger avec ce centre de Rasmeltor.
Et l'Oxity pour le dégagement, mais on continue de presser avec Gaspo qui va tenter la double tap, il tente le beau jeu, il a envie de nous éblouir, là j'ai l'impression Gaspo aujourd'hui. Mais attention, ça repart en contre-attaque, où ils sont deux au même endroit, mais Rasmelter a pris le lead un petit peu sur cette balle. Tibi pour le dégagement, on continue de mettre la pression chez les Ventures là avec Makuebi, mais Gaspo est là, la récupération de cette balle. Sean pour repartir sur le côté droit, ça va être pour Makuebi. Makuebi et Sean, donc ça combine très bien, ça réussit à passer à Tibi, il y a peut-être une opportunité là, si le centre peut être bon. Oh, l'excellent centre pour Velocity, mais superbe arrêt de la part de Gaspo. Oh, oui, il était là, encore une opportunité à 5 secondes de la fin, la dernière avant l'overtime, ou peut-être sera-t-elle pour les Rasmé Party 5 si Gaspo maintient ce ballon en vie, il est dangereux, et ça va toucher le sol. À nouveau, pour la deuxième fois consécutive dans cette série, on part en prolongation avec le but en or pour décider du sort de cette game. Et attention, ça peut être la dernière si Rasmé Party 5 l'emporte. Et effectivement, ils ont un petit avantage là, alors que Gaspo va pouvoir toucher cette balle. Ça a tenté le pinch, mais ça a manqué un petit peu de puissance là. Sean pour le dégagement, ça part en direction de Rasmelter qui la remet sur la droite pour Gaspo. Puis ils font sur cette balle qui remporte son duel. Et Gaspo, chance sur ce coup là. Non, il remporte bien son Gaspo duel. Nade. La Gasponade, effectivement, en direct live de la chaîne Rocket Baguette. Qui vient terminer cette game avec ce but en or. C'est une Gasponade en or même, j'ai envie de dire. Et ma foi, mais qu'est-ce qu'elle est cruelle pour les Ventures, pardon. Ils viennent s'incliner là sur le score de 3-0. Mais voilà, sur la physionomie de cette partie, ça ne vaut pas un 3-0 du tout. À chaque fois, ça s'est joué à un but d'écart. À chaque fois, sur le score de 2-1. Trois fois consécutivement, on a fait 2-1. Dans cette série, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble aussi, hein, ouais. ça a dû faire quelque chose comme 2-1, 2-1, 2-1. Ouais. Mais ils pourront dire merci et bravo à Gaspo, là, les Rasmé Party 5, déjà auteur du but décisif dans la game numéro 2. Là encore, il a libéré son équipe avec ce but en or, beaucoup moins esthétique. Celui-ci, vous ne le retrouverez pas dans les highlights. mais voilà. Gaspo qui a fait dans la qualité là, au niveau des buts. Autant que la quantité d'ailleurs, hein, parce qu'il a quand même... Il a été très très bon derrière, il a été très utile. Et Tibi aussi, auteur de quelques arrêts salvateurs vraiment pour son équipe. C'était pas mal, une belle série pour finir, dommage que ça se joue en trois manches. Mais voilà, c'est la cruauté de Rocket League et des BO, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas c'est fini pour ce soir. On va se retrouver, demain, pour un tournoi Gfinity sur les coups de 20h30. Rasmelter sera au commentaire, je pense, que toi aussi, Dig, ainsi que moi. Il y a moyen que je serai là. Ouais. Donc on sera tous les trois, je pense, pour vous proposer le tournoi Gfinity du mercredi. C'est la dernière semaine, donc le dernier tournoi Gfinity Summer Series, avant un petit moment sur Rocket Baguette, avant leur retour fin juin, grosso modo, approximativement. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis. C'est une petite soirée évolutive, on a commencé par les rookies, ensuite on est allé en Master 1, en Rising, avec des matchs en jeu, et là, cette victoire d'Erasmus Party 5, leur sixième victoire, ils conservent la tête du classement, égalité avec Tekken 7, ça va être intéressant le dénouement les dernières semaines. Gaspo, tu veux faire un 1v1 contre Gaspo, Dig? C'est maintenant ou jamais. J'ai pas envie de le ridiculiser en direct, tu vois. Ce serait un petit peu cruel pour lui, tu crois pas? Sinon, tu laisses passer l'opportunité. C'est toi qui décides. Allez, est parti. On va regarder ça tranquillou pour finir ce stream avant de host quelqu'un. Ah, du 1v1 face au grand Gaspo, c'est quand même. C'est les derniers Gfinity avant la fin du mois de juin, Crashy. Frise, New Office de but, toute la team Gaspo, du coup, elle est là pour encourager son poulain. Pendant ce temps, moi je vais chill un petit peu. On peut débriefer. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on peut discuter. C'est bien Dig ce que tu nous fais là. Tu maintiens la possession. Ah, ça passe pas, ça passe j'ai pas. Plus de boost. Il va y aller, Gaspo. Ah, c'est fini, j'ai plus de boost. Il va y aller. C'est l'ouverture du score. On est là pour encourager Dig les supposés supporters de Gaspo. Allez, Gaspo, t'as pas de supporters, tu vas faire quoi?
Oh, j'ai plus de boost encore une fois, j'aurais pu l'avoir. Ah oui, vous avez été nombreux à poser la question aussi. Oh, joli crochet là. Ça a mis la misère, je crois. Vous avez été nombreux à poser la question sur le recrutement de Gale Force Esports, du roster de Gale Force Esports, le passage chez Dignitas. Ma foi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour K-Dop, Turbo Pulse et Violent Panda. Et ouais, c'est une bonne nouvelle pour eux. Dignitas est une plus grosse structure que Gale Force Esports, donc à partir de là, l'encadrement sera meilleur. Ils sont accompagnés par Melina Kong. Je sais pas si vous avez lu l'article sur Rocket Baguette où on vous donne un poil plus de détails, pas beaucoup plus. Mais voilà, Melina, elle va suivre, elle passe chez Dignitas aussi. Donc en gros, rien ne change. Hein. Donc c'est juste le nom, les couleurs, le maillot qui change. Ça n'a pas grande importance. Ils ont contribué à la notoriété de Gale Force Esports. Je pense que pour bon service rendu, voilà, Gale Force les a laissés partir en bon terme, en récupérant certainement également une petite somme d'argent dont ils ont certainement besoin. C'était joliment tenté ça par Gaspo. Dig Dig était présent et la démolition, l'agressivité de Dig Dig pour aller réduire le score. Oh oui. Boyan go booster Dig Dig, ça va pas non. On est sur Rocket Baguette, le cadre compétitif le plus propre qu'on essaye de vous proposer sur Rocket League. Tout de même. Sabo Muffins, occupe-toi d'aller changer ton pseudo Discord, oui. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Rocket Baguette, on a un serveur Discord où il y a plus de 1300 personnes qui discutent de Rocket League, qui jouent à Rocket League, qui font du trade. Est-ce que les gens font toujours du trade, Dig? Ça se fait encore? Un peu moins quand même. Ok, c'est bien. Passer à autre chose. Acheter des clés de temps en temps. De temps en temps. Mais que de temps en temps, hein. Sinon. Oui, c'est cher. Oui, sinon c'est cher, voilà. Vous achetez des pixels en gros. Franchement, en vrai, les pixels c'est gratuit. Mais soutenez Rocket League, cela dit. Acheter des smurfs. Oh mon dieu, je vais me faire mal. Oh non. C'est pas bien ça. Contrôle de Dig Dig là qui est raté. Va falloir se replacer maintenant. Et attention, Gaspo, la possession. Bonne intervention, ça. Il la joue facile. Il est arrogant, Gaspo. Ouais, je le reconnais bien là. C'est mind game. Oh. Ça ne passera pas. Ah oui, dommage. Il y avait l'opportunité. Moi je m'en fous, hein, je suis en train de jouer ma vie. J'ai pas vu le but. Oh, la récupération. Le recovery qui est propre. Si je loue, je peux passer dans la Rookie League. Comment dire? Bon, ça va, en plus c'est Dig Dig en face, c'est pas... C'est pas un débutant quoi. Oh là là, regarde Gaspo, il est en train de... Il est en train de throw exprès en plus. Il ne peut rien faire. Il s'est fait oublier là. C'est la remontada. Elle double dig. double dig, comme dirait Peuge. T'as Gaspo, t'es vraiment le pire en vrai. Mais vas-y, tu vas gagner, Dig.